DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. Ta fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo e koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Voilà, nous sommes encore là comme Topromé Tagibino parce que l'actualité évolue encore. Merci beaucoup Nabandeko Baotik, elle a toujours fidèle au programme à Tango RDC. Alors, nous allons encore parler des questions politiques, des questions sécuritaires, il y a République démocratique du Congo. J'ai dit encore la présentation. Naimi Moimbo Kamara Bobola Otorokundula Makambo Bele. Ndeko Marambo Tenari. Mbote, j'ai dit encore, mbote, pas Nabandeko Baotik, Nabiso, Sikanyoso. Pesi bango mbote penza lelo tozaki na matanga ya collègue Nabiso, un professeur d'université dans domaine ya environnement oyo akufaki depuis quelques jours et oyebi ke na niveau ya université tozali bongo ba enseignant, nous sommes des chefs de travaux et tokende ki ko rendre ye bongo dernier hommage to sali requerement. Donc tozala ikuna tozo sengama bolimi simuke pa bandeko pa maté to ko mo na reta. Na pesi bango mbote, na pesi mbote na ngali susu, bongo epa na kulutu na ngai Bertrand Mudimu. C'est ça, yonde mouto eba ako prononce ango bien. Bertrand Mudimu Tshisekedi. Voilà, Bertrand Mudimu Tshisekedi. Na pesi mbote wa ako samu sala bien, oya ako lungulabiso soni parmi ba DG Nyonso. Oyo chef de l'état, apesa ki bokonzi. En tout cas, kulutu Bertrand, azo sala musala malamu na niveau ya FPI. Nous allons voir la fois passée, tout le monde, comment l'organisation est au Kende Jésus en collé vraiment les élus qui ont mal à mon Nicolas Kouya. Ce que vous pouvez savoir, c'est étant donné que tout le monde est capable de le bel amour de la réalisation d'ailleurs peut-être dans Nicolas Kouya. Très bien, alors nous allons parler de deux dossiers. Nous allons parler du dossier GLM avec Olive Lembe parce que la situation est commune dans ma dimension Moussoussou. Les après-midi, Bolanda qui l'information en un sens Moussoussou, mais les lunettes vous allez vers 18h, 19h. Le dossier est évolué. Makasi, vous allez encore découvrir plusieurs réalités tout au long de cette émission. Et mais également, nous allons traiter la question à partie Est de la République démocratique du Congo, là où il y a reprise des affrontements. Et les Oazalendo, Balobi, Bangonyonso, collectivement, non. N'a cessé les faits demandés ou encore imposés par la République angolaise parce que Toyebi, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre de la coopération régionale y a côté à Angola et à Rwanda, Bakutanaki na Angola lobby, Basololi, la partie congolaise, la partie rwandaise et l'Angola était humiliée et décidé qu'il trêve ou encore cesser les faits. Et Banda, le dimanche 4 et Gozabiso, un mois pour permettre aux infiltrés, aux rebelles, aux terroristes de commencer à libérer les territoires congolais. Mais pendant ces cessez-le-feu de un mois, les Oazalendo et les FARDC Bazali se sont autorisés à aussi Mamindo quitter. Il y a quoi agresser, il y a quoi attaquer, il y a quoi s'affronter. Naba M23, naba RDF, ou bali ko occupé certaines cités et localités. Ou ezali naba différents territoires en Abisso. Toro le belama solo parce que le Oazalendo, vous allez aussi suivre la vidéo balobi. Non, N-O-N, non à cette décision. Alors, Ndekouma Rabobola, le premier dossier est évolué makasi par rapport à la situation. Il y a après-midi à Lelo, Tomoni affrontement et Salami au niveau à GLM, la ville, il y a Kinshasa, la commune à Gombe, la résidence du président honoraire sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, et son épouse, Madame Olive Lembazaki, sur place pendant que affrontement et Salami, soi-disant, entre la garde, il y a Ndeko Kabila, et la force du progrès à IDPS. Massa Sebetami, Bato Bakangami, et soi-disant Batego Moussou Bako Lobake, c'était Kabila et Olive Lembe qui visaient à toucher Bango corporel charnellement, et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et évolution à dossier n'a pas encore été commis à niveau Nini. Bon, Matondo Mingi, n'a pas encore awa dossier, c'est-à-dire que Ndeko Yabiso, il y a force du progrès, parce que nous sommes des lits d'épaisse. N'a pas encore été commis à l'éclaircissement là-dessus, mais avant n'a pas encore été na pese classement ndenge force du progrès et fonctionnaka na katia parti tikanga ina to koto na likambo ya motu ya oyoyo e komaki na mukolo ya nzanga na mukolo ya nzanga lelo ezali que bandeko bakenda ki parce que vous savez que en politique
chaque leader politique azalara toujours na moi bato na ye azalara toujours na moi bato azalara pembeni na ye encore des problèmes oyo bakoki toujours tout le temps ko luka moyen ya ko défendre ye. Alors il y a eu un conflit parcellaire entre un sujet israélien na monsieur Kimoul ou azali bongo moko tout ça ndé bakendaki ko luka moyen bakena immeuble wana bakende ko senga na justice azwa bongo mikano oyo koki bo pona ko zongisa ndeko wana na raison na ye. Alors oyebi ke bandeko tango bakendaka pona ko luka moyen ya ko manifester c'est la masse. La masse est souvent très difficile à être contrôlée, je dis en colis. Maîtriser, voilà le terme aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez amener les gens, par exemple, au niveau il y a palais du peuple, pour exiger peut-être paiement ou bien problème. Mais, batozo, mais ma bango, vous en maîtrise vraiment la bangote et vous allez difficile. Nous avons un exemple, nous avons un tout ça là qui sitting na biso na à niveau il y a OCC pour exiger départ il y en a une démission il y a DG wana ou il y a actuel DG vous voyez bien que dérapage n'inga et ça là parce que babiloko ou tout même qui tout qu'elle doit utiliser et ça là qui est que non et ça là moussa la kuna mais subitement il y a eu des gens oyoyo maîtrise d'avant où ils allaient quitter bah comme moussa là bah n'importe quoi vous comprenez et moi en tant que leader dans qui n'a obligation il y a coupé nga bango il y a aussi ça va moi à l'ordre tout bimato kende. Alors dans le dossier oyoyo je vais le dire avec beaucoup de précision que la force du progrès makenda ki nandako ya tata mokonzi ya mboka ya kalate comme nenge tolandi na ba information oyo mama Olive nazo benga ye mama parce que biso tant wazaki na bokonzi mobali na wazaki na bokonzi pardon ye ba bande ko benga ye mama Olive. Alors Max to ko tala babili liwana ya mama Olive. Alors, si c'est bon avec Max. Alors, c'est ce qui a fait que bâtiment, comment on appelle ça, bâtiment ou immeuble, il y a monsieur Kimoul et Zali non loin, il y a Jelem. Jelem peut et Zali à Kabilaté. Nezali précision matuba yeba. Jelem ko wana Jelem ezali ya Kabilaté. Ezali ya yete. Voilà. Ndako ya Jelem ezali ya yete. Ndako ya Jelem ezali groupe Litomoboti. C'est comme ça ba salaka comment on appelle ça? Bazo ça la symbiose par rapport à Bakumbo. Neti Nicolas Okoma Jikaka, Joseph Kabila Kabange, Nicolas Okoma FT Fat Félix Tshisekedi. Ozomona, ça veut dire que tant au bango bazu bokonzi na ndenge ya force. Papa naye Laurent Désiré Kabila ba soda ayaka na bango place à revendre des alakite parce que na ba kanyo se alaki ba soda ya Mobutu. Baba naye ko banga ko kende ko vendre kuna parce que ils savaient pas à qui ils avaient affaire. On pouvait les éliminer. Maintenant, pour les maîtriser, les contrôler, ils devaient rester ensemble. Nous avons dit que nous garde dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit alors le GLM est un bâtiment oyoyo groupe Litomoboti bango batonga comment on appelle ça espace wana mais ce que t'as li na kati ya bâtiment wana pe ya GLM parce que GLM ezaba bâtiment ebele mais ce que t'as la parmi ma bâtiment ezaba concession mais parmi ma bâtiment oyoyo ndeko Kabila na tia batuna ya PPRD ezali ba bâtiment o ezala ki ya famille ya Lito o ba tikalaka nango parce que concession wana ezali une concession pe ba teka mususu ba privé pe ba yaka pe ba somba et c'est comme ça. Alors comme ezalaki loko moko boye Kabila il était militaire papa na ye lo ba papa ya Kabila azaki militaire et rebelle ezaki difficile au kende papa ya Kabila militaire rebelle au wapi papa excusez-moi papa comment il s'appelle Mouzé mais bango bazo ba formation na Zamba tant aux formation na Zamba on t'appelle un militaire mais tu n'as pas été bien formé au landi ba info te aux formation na ba militaire ni senga rapenda te yo na Zamba ba peso munduki o komi rebelle nanga zu formation ya militaire wapi Henri Majou a une formation. Comment il s'appelle? Monsieur Wana ou ya M23, comment il s'appelle? Willingoma a une formation. Même toi, je dis encore, aujourd'hui, tu pars à la forêt là-bas, tu dis que tu es un démocrate, tu vas là-bas, on te donne une tenue avec l'arme, tu deviens militaire. Et puis, pète yo lingaka, sori que non, mon major, yo se pète, major. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça que immeuble on a azwa en otage mi kolele kiwa ministère ya habitat atindaka batu ba kende kuna pona koluka ko désengorger balabala wana parce que concession le roi Kabila vandai ko vanda les pères là les fils bazwa ki en otage et pourtant esa concession oyo
ils ont pembeni pembeni abanzela. Donc bango ba kangan zela zela ils ont la galisoute. Maintenant quand on va fungoli, au moins il y a ma image mikoleki zela fungoami mais bah désengorger zela bah tu vas commis koleka et puis mis tout que zola sans problème. Lelo oyo bande konabiso ba kende ko manifester. Mais ils s'engagent tout identifier. Est-ce qu'ils arrivent force de progrès? Parce que ngai en tant que combattant à IDPS, n'ayez bien que la force du progrès reste parmi les associations qui sont au sein de l'IDPS. Moi, Mara Bobola, j'ai une association qui s'appelle la JPCDI, la Jeunesse Pragmatique du Congo pour le Développement Intégral. Nous avons fait allier notre association, être parmi les associations au sein de la Ligue des Jeunes au niveau de l'IDPS. Parce que toutes les associations basées à Katia, IDPS, basées à la Ligue des Jeunes. C'est la Ligue des Jeunes à travers un secrétaire d'ailleurs dans un groupe Sayembote, Monsieur Jospin Malanga, Jospin Balanga, pardon, Yena Zali, secrétaire en charge Yaba Association et Mouvement. C'est comme ça que la force du progrès peut être parmi les associations. Donc mon association, la JPCDI, n'est pas différente de la force du progrès. Mais la différence, c'est que Bango va bandi, moi, ma kamuna Bango Kala. Donc, tango, la force du progrès est reconnue à niveau à IDPS. Très bien. Alors, c'est comme ça. Alors, quand nous avons des manifestations, vous voyez bien que dans la formation politique, chaque soutien politique a un défenseur. Si vous avez le PPRD, vous avez un béret rouge, vous avez un machete, vous avez une opération Kuluna, vous avez un bango. Vous avez un bilingue, vous avez un bilingue, vous avez un format, vous avez un machete. Pour que vous avez opposé la force du progrès, vous avez combattu à IDPS. À l'époque, parce que vous avez formé pour que vous défendre bango. Et c'est comme ça que la force du progrès existe. Alors, tout membre des forces du progrès, à niveau de IDPS, la majorité, il y a des politiques, il y a des idéologies à éteindre ce que dit Wamulumba. Il y a des cartes dans Bango. Au moment où le président Jeko, il a sa carte. Même si aujourd'hui, à comment président, il y a. Comment on appelle ça? Vision Fati, voilà quelque chose comme ça. Donc, dans ma camouette, la force du progrès peut-être à Tika Nango, à côté de Maramnaï Moussous. Mais connaissant la force du progrès à niveau et à parti politique Nabiso, ma coquille qui n'était qu'à s'attaquer. La résidence d'ancien président de la République. Parce que, bah, il y a même que chef de l'État, actuel secrétaire, même ici, Bissou Marabobo, là, tout ça, je suis soutenu, il était, parce que tu désavoues qui est, on ne le reconnaît plus comme le secrétaire général du parti, bah, qu'on qui jamais qu'on dit Mambilo Goyabon. Ne qu'on bima la immeuble, on a Kamulwana, qu'on y a na bango pour ba leka, ne bah, yesuko, au moins, il masse, et ça, la marabobele, ne bah, kei, bah, soda, bah, zala ki wana. Na comment on appelle ça na bazaki komina Jelem pour la sécurité puis surveillance il y a résidence il y a ancien président de la République pendant que maman Olive Azaki na 4 ba monique ah force du progrès ba komi ko beta nini masasi sans que la force du progrès ait attaqué bango sans que la force du progrès a attaqué bango mais les images sont là Jésus alors collé. Suivons d'abord la vidéo avec Max KBC qui nous réalise comme ça Marabobo la va continuer son analyse. Ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. J'interpelle M. Jean-Pierre Bemba. Où était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo? Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché? Vous êtes content? J'en profite pour demander à Dieu mon Seigneur et faire les vœux
que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, je vous demande, Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper. Parce que il a mal fait de rendre certains importants. Alors, là, c'était les avant-midi. Madame Olive Lembe a salagé déclaration. Est-ce qu'on a pourquoi la situation est évoluée? Alors, on a eu une déclaration à Maman Olive Lembe. Je crois que c'était une occasion de notre ancienne première dame qu'elle a manqué de se taire. L'ancienne première dame devait se taire parce que nous, en tant que politique, nous avons fait les analyses, nous avons compris que c'était la récupération politique. Maman, comme ça fait longtemps qu'elle n'est plus dans l'actualité, Yango Moni a préféré Assanini à ça la récupération politique. Ici, je peux que condamner toute action tendant dans le sens y a quoi agresser physiquement et chercher encore plus grave y a quoi éliminer l'ancienne première dame. C'est parmi le modèle Oyoyo Lelo Maman Denise a occupé qu'aucun des conseils et pas la Maman Olive par rapport y a quoi Vanda na mokonzi o na mobali o yazana na nini na bokonzi parce que les expériences tout partage à yango et un intellectuel alingaka kopima o iloko babengi expérience c'était. Mais kokende na niveau ya koloba que ils étaient venus, la force ils étaient venus pour chercher à m'éliminer physiquement. Je me demande, Jésus en colé, cette force là entre guillemets, parce que tout le monde gars je connais, ce n'est pas aussi la force du progrès. Peut-être on peut identifier quelques personnes, mais la plupart là ce ne sont pas la force du progrès. La force du progrès va éliminer Maman Olive Lembe, mais avec quels moyens matériels? Elle n'a pas d'armes, cette force. Elle n'a pas de machettes, elle n'a pas quoi que ce soit, et elle va aller éliminer l'ancienne première dame qui a des gardes, qui est dans sa cour, dans sa résidence. Mais comment elles vont aller pour l'éliminer? Vous comprenez? Ça veut dire que la maman n'a fait qu'une récupération politique. Mais autre chose aussi, c'est bien d'interpeller le président de la République. C'est bien d'interpeller l'ancien premier, l'ancien ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba. Mais est-ce que ce réellement que le président Bemba, qui a utilisé des manœuvres pour Nakoluka, Kobimi Sanzela, pour Ekende na place, Bazako Sala chantier? Mais chantier, on a les alliés, Moussala et à l'État. Est-ce que c'est normal que, pour Batouba se rendre dans le niveau du palais du peuple, que la route est à la barricade? Parce que c'est la concession d'un ancien président de la République. Olive Lemba lobi na lopango asima GLM Bemba pasombi lopango asikakuna tellement zali kotonga alingi siko a créer voie d'accès. Yango buki mir na bango pour mituka na yera na sima. Voie d'accès créée par Bemba ndezali ko sala ke mobulu ekomi kolika na esika wana pona koluka ko benda molimo ya famille biologique ya président Kabila. Kobenda molimo ya famille ya ancien président de la République, Jésus en colé, bandeko wana moni wana vidéo uti koleka wana, ils ne peuvent pas faire ça parce que baza dépourvu na ba moyen, baza dépourvu même na courage. Ezalo kwa lelo yo vandi ozo kende ko tia désordre na ndako ya ancien premier ministre par exemple. Donc matuyo so ba ko condamné yo Kabila pour nous azali o muto yo biso toza ko benga ye, c'était un ancien président de la République. Ça veut dire que tu as agressé physiquement. Tu as eu une erreur, tu as eu un peu de temps, tu as eu. Et le lot, ce que maman Olive a dit, c'est que tu as éliminé physiquement, je crois que maman a bêté moi, Likolo, ma casse. Donc, a bêté Bordi dans le Niamabe. Tu as eu un peu de Ben 6, tu Jeep, tu as eu vitesse, tu as eu un peu de temps, tu as eu vitesse na 120 à l'air. Ok, alors, Lelo Oyoyo, Nanandi Loro Moussa Lobby a interpellé le président de la République, ce qui n'est pas mauvais, parce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a censé, d'un moment, Yako Lukandengenini, Yako Salaye, qui est ancien président de la sécurité. Au moins, qui est un problème entre Bangomi Balé, pour Luka Yako exposé. Mais dans le sens où Ezali Abumoto, Yako gérer un État, l'ancien président de la République est signé dans la sécurité. Mais Loro Moussa Lobby, tout ça, c'est de la faute de mon mari, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a donné de l'importance aux gens qui ne devaient pas avoir cette importance. Vous comprenez?
qui sont ces gens oyoyo maman Olive mobali na ye mokonzi ya mboka kala a peine si importance pour lelo oyo baza la place bazali ba bemba. Mais écoutez, non, Jésus en colère. Ce qui est le Jésus costume boy c'est Kabila, selon maman Olive Lembe. Ce qui va te belé va comme comment taper pour Kozonga, c'est Kabila. Ce qui va te lelo va comme une signature, c'est Kabila, c'est Olive Lembe là le ben. Mais écoutez, le comme que na élection au niveau Kinshasa au Kibuja la pour que postuler. C'est Kabila. Donc tout ça c'est Kabila. Jésus en colère. Na ce qui m'a cassé. Au moins les gens abattent Oyo. Na outre que le baron a émis sûrement dans les cas qui prennent ma gamme d'abus, il dépense dans le lobby. Les gens pensent qu'il est surtout sa politique peut-être pendant retour à Bandako, Kolukambo ou non. Il y a des gens qui ont commencé à toucher de l'argent depuis leur jeune âge. Azana 15 ans, abanida au Simbambongo, abanida au Salaba Fer. Ça veut dire que papa naé Azaki a feriste, a initié YP. Tant qu'on joue au côté politique, a yébi déjà bia $100 n'est-ce pas? A yébi des balades à veste. Aïe, vine ma mata avion, aïe, vine ma van na first class. Vous comprenez? Et ça, le col la bisou, ma mara bobo là. Le lot, peut-être, les gens vont dire ah, Azotia Kabouya Panzi Likolo, excusez-moi le terme, Azotia secrétaire général Likolo, Panzi Likolo, a le mola bokons, tout ça, parce qu'Azo Lukaba nommé. Mais écoutez, nous nous sommes venus, tant que tu es IDPS, tu côté combat. Moi, je savais déjà mettre ma cravate, nouer ma cravate, mettre ma veste, j'ai travaillé déjà quelque part. Ça veut dire que ça, ils allaient, babing en haut, maman, Betty, Bordi, la nina, ma bé. Est-ce que l'actuel président Jean-Pierre Bemba, Azamoutou, Oyo, Akoki, Koleng et la veste, son papa fit un patron parmi Bambou Kanabiso. D'ailleurs, Moubali Naye, l'ancien président, tant au Bango Bawiti, comment on appelle ça, Bawiti, Fizi, Bazoya, Makolo, Makolo. Est-ce qu'il y a Iba Kola ta veste, ancien président de la République? Ce sont des vérités. Eh ben voilà, t'entendais. Mais écoutez, baya ki na bot, baya ki na soda. Na zamba kuna yo kolata bot, kolata ngwa. Kolata mokoto mo cravate ndenge na lati bo. Atandenge yo lati wala Jezi ankole. Lelo ke ne peme na corne nanga. Ese nanga yimo ko zola ta veste. Nanga zangi ba veste. Nanga ndenge zangi ba veste. Ba ndeko ya PPRD bazaki ba ki kuna bazangi ba veste ta. Mais ça veut dire que tellement vous en la situation mon ko boy contractuel. Ose permettre yoto la ta veste, mon la ta veste zate. Nous avons vu comment les messieurs venaient ici, l'ancien président. Il y a comme on dit, pasteur Moukouna, à un moment donné à l'lobby, les gens qui étaient venus avec des bottes, bah, comme des noms, les leçons. Lelo oyo maman, je crois que Bisso, Tokoki, jamais conduma keba, agressé, bah, éliminé. Maman Olive physiquement, nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que nous sommes en démocratie. Et Seigneur Bazala, Baza ba modèle en termes ya démocratie. Mais Baza ba modèle ah, en termes ya Kabila. Aujourd'hui, Marabobo la reconnaît que Kabila c'est un modèle en termes de démocratie, plus que même les Sphinx délimités Étienne Tshisekedi. Non, 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 non. Il ne faut pas comparer le président Étienne Tshisekedi ou Amulumba de régime mémoire par rapport à l'ancien président de la République en termes de la démocratie. D'ailleurs, pourquoi je dis que Kabila était modèle en termes de la démocratie? Parce que si aujourd'hui l'IDPS nous sommes au pouvoir, c'est parce qu'il y a eu des élections qui ont été organisées en 2018 et nous avons fait ce qu'on appelle passation pacifique et civilisée du pouvoir. Le président Tshisekedi a pris le pouvoir entre les mains de l'ancien président Joseph Kabila. C'est ça ce qu'on appelle le modèle à la démocratie. Mais si nous entrons dans les principes vraiment de respect démocratique, des principes démocratiques. Est-ce que Kabila avait respecté la démocratie? Non. Les élections, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Kabila avait réellement la volonté de céder les pouvoirs? Non, non. C'était après pression. C'était alors après la pression. Il ne faut pas parler du modèle. Non, non. Écoutez. Il y avait une pression derrière. S'il vous plaît. Je parle des modèles en termes de passation pacifique du pouvoir. C'est ce que j'ai dit, non? Mais cette passation voilà. S'est déroulée. Avec quel état d'esprit? Mais écoutez, est-ce qu'il y avait une volonté derrière cette passation de pouvoir? Écoutez, ici, il ne faut pas embrouiller les gens qui nous suivent Jésus. Je suis démocrate, je reste démocratophile et je ne serai avancé jamais alors. Démocratophobe. Avancez alors. Na lobi bo na lo ba na lingala. Kabila azali modèle ya démocratie na mboka na biso pamba te. To sali to zubo konzi, IDPS to zubo konzi pamba te, ma ponami et salamaki. Dans ce sens, Azali, modèle. Oh. Mais ce qui est ok, c'est que le principe est de respecter la constitution de Sengaka que Kabila a dit le 19 décembre 2016. Kabila a un modèle. Je ne peux pas me contredire là-dessus.
parce que Mibeko ya Mboka. Non. Écoutez, c'est un principe qui demande beaucoup de réflexion. Ça veut dire que tous les makambo essaient de battre ya Boanya, battre ya Mayele, tous les débats ya balabala té. Ah ouais, on s'est déjà allé le thé. Mais comme il s'habille son nion sauté. Yango Naza Koloba. Mettez. S'il vous plaît. Ce soir, quand le lingue. Na lobby boye. Mais yo, tu es débat, il ne connaît pas ta climatisation. Na lobby boye. Yo, moutou ya balabala. Ça, là, il faut que moutou ya climatisé. A expliquer yo. O comprendre, ma gamme. Ah, wana, mambo ebi si biso yango. Na yo pe. Kasse mambo ebi si biso yango. Biso balabata balabala. Toi, il est toqué dans ma maison étage. Voilà. Climatisé, il est retourné dans ma bobo la loba guinine. Kende et pas na moutoua pour comprendre ma kamouna lobby. Ça veut dire que le mois la ma kamouba débat y a caniveau, y a balabala, y a ba fekodi. Fédération congolaise de discussion inutile. Le mois kouna kota, si kouna ba principe, y a ba intellectuel. Na lobby ça que Kabila Azali modèle y a démocratie na mboka na biso. Pambate, tokei, na ma ponami tozu bo konjue pa na ye. O nenge. L'idée diabanza mon année dans le baraque, nous avons gagné ce pouvoir par l'argument, par la force de l'argument, et non l'argument de la force. L'argument de la force, c'est quoi? C'est de prendre les armes, faire la rébellion et chercher à avoir le pouvoir. C'est ça qu'on appelle l'argument de la force. On voit la force qui vient, qui intervient pour que vous puissiez avoir le pouvoir. Mais la force de l'argument, ce sont les manifestations. Ce sont les dénonciations, ce sont les dénonciations des arrestations arbitraires, c'est de dénoncer comment on étouffe la démocratie. Et Joseph Kabila Kabange, il avait accepté même qu'il y ait les élections à travers les accords de 1 plus 4 au niveau de Sun City. Ça veut dire que nous sommes allés en 2006 au Salima Ponami, 2011 au Salima Ponami, dans 2016, le 19 décembre. Monsieur Joseph Kabila, l'ancien président de la République, devait organiser les élections pour céder le pouvoir à qui que ce soit, soit à son dauphin, soit à l'opposition, comme nous, les personnes, avons gagné le pouvoir. Mais comme le monsieur n'avait pas accepté ça, ça veut dire qu'il n'est pas aussi un modèle en termes de respect des principes constitutionnels. Très bien, merci beaucoup. Alors, en cela, Maman Olive Lembe a coquitté Kozoa, moi, Litundu, on a Kolobake. Batu oyo ba yebaka kula ta veste te. Mais ça c'est une insulte, Jésus en colé. Ou Isali bino pe malédiction hein, bato nyonso ba kuka na mabe comme la Kabila, bato nyonso ba lobaka tongo me dit pourquoi que mabe comme la Kabila et sa famille biologique, nzambe likolo o nzambe Olive Lemba abondelaka, abukelaka mabolongo, alekisaka plus ou moins un mois plein sans manger, sans boire pour plaire et aussi demander miséricorde nzambe likolo mboko yo. Nzambe wana asala mara bubula mabe, asala bimba mabe, asala pe mokonza mboka mabe. Si toutes les mamans de la République démocratique du Congo devaient s'inscrire dans ce sens pour demander aussi les malheurs contre son mari qui est l'ancien président de la République, quel serait le sort de son mari? Parce qu'elle, elle demande la malédiction d'après vos propos au peuple congolais, aux gens qui veulent de faire le mal à Joseph Kabila, l'ancien président de la République. L'image d'Olive Lembe vers la fin. Ouais. Je pense que nous serons dans une, ce qu'on appelle dans une perversion, dans une contradiction. Et que vous allez malam, tout le monde a un hybridisme, tout le monde a une réalité. Jésus en colle. Batonion soyo, l'ancien président de la République, à Salamabe. Tozui famille a Roussi Moukendi. Ce qui va y avoir ma cambo, maman Olive à lobby, Bako Kanisanini. Tozui famille a. Il y a Bazana, ce qui manque à mon maman Olive à l'obi, Azo Seng et Nzambe, Bato Bazo Ningabasa Mobile Naye Mabe, Nzambe à la justice. Ba Chebea, Togolobanini, comment on appelle ça? Notre Thérèse Kampangala, Togolobanini. Et les combattants de l'IDPS, Bao Batumba na Katia permanence à l'IDPS, Togolobanini. Papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Aya kitalanjili, baboya kitalanjili, ayeko kitalandolo. Lelo yo papa Etienne Tshisekedi ti akufi akei, ayebi ke Kabila sete Rwande. Asenga mutu nyoso, oyo wakumona ena nzila, ba memela yeye, togolo banini. Batoyo yo, bakufa na force commune. Oyo yo, bazavana kosenga respect, ya ba texte ya constitution. Ona loba yeke, Kabila n'était pas un modèle dans le domaine, dans le principe de respect de constitution, de texte. Ils vont dire quoi ces gens-là? Tu connais la prière Olive Lembe? Tu connais l'andai? Likamozate. Kabis. Togolobanini. Ça veut dire que aujourd'hui, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange,
n'était pas un modèle par rapport au principe de respect des textes. Donc maman Olivier vitant aux arbres sengama bonne de lioyo et sengelina non atala sima. Atala sima, atala ndenge batambu sakimboka pendant 18 ans. Ils étaient un nombre de combien, mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. J'interpelle M. Jean-Pierre Bemba. Où était à la base de la destruction du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo? Vous voyez maintenant les résultats de ce que vous avez cherché? Vous êtes content? J'en profite pour demander à Dieu mon Seigneur et faire les vœux que mon Dieu, tous ceux qui veulent du mal à mon mari, je vous demande Seigneur, dans votre justice, de vous en occuper parce que il a mal fait de rendre certains importants. Voilà. Marabobo, là, Olandi, la prière à Maman Nabiso Olive Lembe. Je vous donne juste 30 secondes pour boucler dans le dossier où il y a Jelem. Je crois que si toutes les mamans de la République démocratique du Congo, en tant que la femme et l'épouse de l'ancien président de la République, elle a droit de faire la prière pour la protection de son mari. Mais si toutes les mamans de notre pays faisaient aussi la prière par rapport au mal que l'ancien président de la République a commis au peuple congolais pendant 18 ans. Regardez les malheurs qu'il y a aujourd'hui dans le pays. Kabila a laissé le pays en lambeaux. Kabila a laissé le pays, il n'y a même pas 2 milliards de dollars dans les comptes de trésors publics. Kabila a laissé notre armée où ils n'ont même pas de tennis, ils n'ont même pas de bus, ils n'ont même pas un bon salaire. Kabila a laissé l'enseignement très bas, il n'y a même pas gratuité de l'enseignement. Kabila a laissé même pas des hôpitaux. Kabila a laissé nos 145 territoires, même pas avec les écoles, avec des infrastructures de base. Et si tout le peuple congolais faisait la prière contre l'ancien président de la République, est-ce que Kabila aura peut-être le temps de se déplacer chez lui? Je crois que Maman Olive Lembe, en tant que maman, si elle va suivre le message que je peux la donner ici, je vais la dire, maman, vous êtes comme une ancienne première dame. Vous êtes la maman de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Aujourd'hui, nous vous considérons en tant que la sienne première dame de notre pays. Vous n'êtes pas différente des mamans, la sienne, maman Bobby. Vous n'êtes pas différente avec la maman Antoinette, la femme de Marie Patrice Lumumba. Vous n'êtes pas différente avec d'autres femmes là. Même maman Sifa, vous n'êtes pas différente. Et aujourd'hui, maman Denise Yakiro, peut-être demain, elle sera aussi comme vous. Mais essayez un peu de mettre un peu de l'eau dans vos vins lorsque vous faites vos sorties médiatiques. Parce que ça ne sort pas dans le contexte qui va réunir les gens. Vous êtes une maman, vous êtes censé plutôt d'appeler les gens à la réconciliation, au calme. Même s'il y a un groupe de personnes qui étaient venues vous agresser, il y a des voies selon lesquelles vous êtes censé soumettre les problèmes parce que nous vous considérons comme la femme de l'ancien président de la République. Mais dire des choses qu'il y a des gens qu'on a donné de l'importance, qui ne savait pas mettre la cravate. Est-ce que votre mari savait aussi nouer la cravate? Très bien. Voilà. Très bien. Alors, les derniers dossiers que nous allons traiter, Marabobo, là, vous allez juste placer à un mot en une minute rapport à la situation et qui lobby mardi 30 juillet 2024 dans Luanda, dans Angola. Okay. Médiation, il y a président João Lourenço, président il y a Angola.
Tomonaki, la partie congolaise, là, qui est représentée à part la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et du côté, il y a Rwanda, il y avait un ministre rwandais chargé de la coopération régionale. Azalaki wana au niveau ya Angola basololi au finish va trouver un accord et l'accord est le biboué après la trêve humanitaire ou aussi là le dimanche 4 il y aura directement un débit il y a cessé le feu le même dimanche 4 qui va nous prendre un mois jusqu'au 3 septembre. Alors pendant ce cessé le feu il faut que les deux parties en conflit bakitisa mandoki basuka unionso écoute en dépôt, bah drone, écoute en congélateur, en frigo, bah arménien se trouve en Indonésie, en Turquie, bah moyennien sont oyo mokonzamoka a mobilisé qui, a pesa qui mitin dans le gouvernement et sama lokonde bah somba mindu qui pon armée congolaise, bah le biba mindu qui wana esala les sous-souté, écoute à repos. Alors il y aura maintenant une procédure de sortie pacifique que vous allez utiliser. Pour que bah M23, bah RDF, bah ADF et mais également bah, AFC à Corneille n'a pas mandat obima. Mais le Rwanda signe les documents au nom y a bah M23, au nom y a bah RDF, au nom y a bah AFC. Est-ce que cela va donner un bon fruit durant ces moments et cesser les faits Oyo conclusion en obima dans le Rwanda. Je crois que toutes les deux parties en étant volontaires. Il y a aucun des condiments, le principe où on a, comment on appelle ça, le souci, le fait, je crois que c'est une bonne chose. Mais la crainte est du parti du Rwanda. Parce que M. Kagame, il a instauré depuis un certain moment donné la volonté de créer ou alors de créer ce qu'on appelle l'instabilité dans la sous-région afin d'attirer le pouvoir économique et se lancer dans les processus de changement et puis de développement de son pays. Aujourd'hui, tout le peuple congolais intègre l'idée et puis accepte qu'il y ait la paix dans cette partie et que le déplacé des guerres, Bazoum en place Nabango et puis Makamouyon sont ici là. Mais est-ce que Rwanda Kondima Bilokouana? Nous saluons la partie congolaise Oyoyo Bazala qui n'a côté à Rwanda, n'a processus Wana, Ndenge Bazoum ici en haut. Mais je dis encore, Naninga qui tout ça là un peu raccordement frauduleux dans Makambouza Kolekana Est. Trêve. Et puis ça a mis deux fois. Ça veut dire que pendant un mois. Deux semaines, plus deux semaines, ça fait un mois. Mais juste à la date de la fin de la trêve humanitaire, on va lancer un nouveau processus. Yannini, il y a cessé le feu entre les deux parties. Est-ce que ici, les États-Unis, vraiment, à côté de Katemakamou, pendant que Lukakoti, à Bokengi, au niveau ya Est et à Mbokala. Mais le cessé le feu, ce n'est pas les États-Unis, c'est l'Angola. Mais non, écoutez, ici, nous sommes en politique. Oui. Nous sommes en Angola. Mais les États-Unis, quand les États-Unis sanctionnent M. Nanga, est-ce que la guerre se passe aux États-Unis ou bien la guerre se passe au niveau de l'Afrique? Ici, je parle en termes des partenaires. Ça veut dire que la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, lorsque tout ça qui est en 2013, les États-Unis a s'approprié qui dans ma Kambouya guerre, il y a Est pour Bitumba Est ici. Même si nos amis du PPRD ont toujours dit non, Kabila avait fait le tour pour que la guerre prenne forme. Non, ce n'était pas Kabila. C'était les États-Unis à travers Anthony Blinken qui était passé ici en chita chez M. Kagame et arrivé aux États-Unis à l'Obara que les États-Unis vont faire le tout pour que cette guerre prenne fin. Et c'est comme ça que Yebisaka Kagame, Bimisa ba troupe na yo, tika ko soutenir Bango, Kimé Kota parce que Kabila devait organiser les élections en 2016 malgré Abouyaki Yango. Alors, Lelo Oyoyo, ce qui trêve et Sili, parce que c'est les États-Unis qui a demandé qu'il y ait la trêve. Mais les États-Unis n'était pas au Rwanda, n'était pas au niveau du Rwanda. Et les Oyo, deux semaines après encore, ça veut dire que pendant un mois, Tokoti, dans le principe, Yanini, il a cessé les faits. Est-ce que Kimia et Kokota vraiment? Parce que moi, je crains fort la présence de M. Kagame, Adimabilo Kouanate. Mais au moins, Basiko Inaviso, ils ont toujours la position de tir, Pambate. Ceux qui a respecté en route papa to côté Rwanda to vandi. Très bien, merci beaucoup Marabobo là, les combattants de l'UDPS. Merci beaucoup pour votre brillante intervention et analyse. Merci beaucoup pour les deux dossiers. Le premier dossier, les dossiers de Maman Olive Lembe, les dossiers du CC Le Fait, ça nous a fait vraiment du bien. Merci beaucoup la bande de Wonoso Batali Bisso. Et le programme continue dans Tango Koki RDC vers 23h. Vous rejoignez une nouvelle édition. Et demain à 10h. Et encore demain à 13h.
Et comme d'habitude, vous connaissez déjà les programmes des temps au KRDC. C'est mieux. Il y a aucun de vous abonner, se mettre à recliquer la cloche à notification pour vous avoir la notification à chaque début de l'émission. Mais également, si nous présentons l'émission comme ça, il faut aussi aimer nos émissions. C'est très important. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Tango e kokio yoyo.